Aucune réponse à nos questions. En moitié, les jeunes vénèrent, pour nous, c'est la galère. J'hallucine, pour nos gosses trimes, ça vaudrait pas un centime. C'est la faute de Mac et sa fille qui fait surtout les impitrices. Que tout le monde ignore, que tout le monde méprise, mais quand même, il y a un moment où la rue, elle a son mot à dire et on ne peut pas gouverner sans elle. Donc Macron s'en est rendu compte en urgence, à midi, et il a convoqué son gouvernement, et puis ils ont dit, bon ben voilà, on dégaine le 49-3, parce que les députés LR, on a beau leur promettre qu'on construira une piscine sur leur commune ou qu'on leur filera des subventions, ben, y en a, ils ont peur de leurs électeurs et du coup, c'est pas sûr qu'ils vont voter la réforme. Le spectacle à l'Assemblée nationale a été, de mon point de vue, assez génial. Entonner la Marseillaise pour ne pas laisser obliger Borne à se taire, elle qui ne nous entend pas, je trouve que c'est un joli pied de nez. Et elle est complètement décrédibilisée, la pauvre dame. Voilà. Donc, moi, je trouve que ce qui s'est passé cet après-midi, ça nous redonne de l'espoir. Ça veut dire que la bagarre au Parlement, elle n'est pas terminée. Que la bagarre dans la rue, bien sûr, n'est pas terminée non plus. Pour votre information, mais certains d'entre vous, peut-être tous le savent déjà, la NUPES va déposer une proposition de loi référendaire avec une question toute simple au peuple. Voulez-vous ou non le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans? Alors, le problème, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est qu'il faut que 4 millions de citoyens, d'électeurs, disent qu'ils veulent se prononcer sur ce référendum. Donc, dès que le projet de loi de la NUPES, projet de loi référendaire, sortira, je vous invite à signer par Internet. Alors, il faut le numéro de votre bureau de vote, enfin, bon, tout un tas de trucs. Hein, c'était un peu comme pour... c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour l'aéroport de Paris, pour qu'il ne soit pas privatisé. Et donc, là, il faudra activer vos contacts pour qu'on ait les 4 millions de signatures sur ce projet de loi référendaire. Donc, ça veut dire que ça va durer encore au moins 8 ou 9 mois, hein, le temps qu'on récolte les 4 millions de voix, et puis c'est le délai imparti. Donc, ça veut dire que ce n'est pas fini. Et qu'on reste mobilisé, et je pense encore plus motivé ce soir après ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Voilà, donc on est tous rassemblés. Merci Pascal pour ce discours. On est là pour faire du bruit, on est là parce qu'on n'est pas content aujourd'hui. Le 49-3, on marche sur la démocratie, on marche sur la volonté du peuple. Ça fait des semaines qu'on défile, ça fait des semaines qu'on manifeste, qu'on dit non, on ne veut pas à cette réforme des retraites qui est injuste, qui est cruelle. On ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans ou plus. Donc on est là parce qu'aujourd'hui, il y a eu un déni de démocratie. Aujourd'hui, on a forcé l'Assemblée à ne pas voter. On n'est pas d'accord avec ça. Donc on est là pour se rassembler devant la préfecture de Lyon. On a des camarades qui sont devant la sous-préfecture à Sens. On est là pour faire du bruit, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Que le peuple est dans la rue et que le peuple se révolte. Et que le peuple dit non, non à ce déni de démocratie, on n'est pas d'accord, on se révolte. Quand on marche sur la démocratie, quand on marche sur la volonté du peuple, quand on nous méprise, et quand le gouvernement avec ce président plein d'arrogance nous réduit au silence, on n'est pas d'accord, on se révolte. Donc on a pris des casseroles, certains ont pris des sifflets, on fait du bruit et on dit non, on n'est pas d'accord. La révolution continue, on ne lâche rien.
entre les peuples. Monsieur le préfet, nous vous demandons de nous entendre, parce que si vous régularisez aujourd'hui les sans-papiers, ça contribue à nos retraites de demain. Nous demandons, nous exigeons la régularisation des sans-papiers, contrairement à ce que prévoit votre future loi, la loi Darmanin, qui va être discutée dans les prochaines semaines. Nous demandons la régularisation des sans-papiers afin qu'ils puissent travailler légalement et cotiser aux caisses de retraite. La régularisation des travailleurs sans-papiers, c'est bon pour eux, mais c'est aussi bon pour nous, c'est bon pour nos caisses de retraite, c'est bon pour notre sécurité sociale, c'est bon pour les allocations chômage, et c'est bon pour nos salaires. Donc, monsieur le préfet, nous vous demandons d'entendre. Pas gagner les riches choqués, mais les précaires vont crever, où on veut vivre, pas juste survivre. Lo que implementa nuestra fe es un gran favor de la humanidad. Y la certeza de nuestro favor. Oh.
Ouais, on est tous là ce soir. Déjà, on s'est tous retrouvés de façon très spontanée et c'est vraiment super. On est tous regroupés, on est tous en colère par rapport à cette réforme des retraites qui est vraiment injuste. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, comme on le disait, moi je représente Solidaires, on est un syndicat donc, qui défend vraiment tout le monde, qui défend les travailleurs qui sont vraiment les plus précaires. Et aujourd'hui, déjà travailler jusqu'à 40 ans, on est déjà cassé la plupart à 45 ans, on a déjà mal partout. Travailler jusqu'à 64 ans, ça va être infernal. Donc aujourd'hui, on demande vraiment d'aller plus loin, continuer les actions et surtout bloquer le pays. Ah bah, je veux bien croire qu'il y a des moments où on est apporté à faire. Moi, ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est de voir un rassemblement spontané comme ça. Ça fait longtemps que j'attends qu'il y ait un réveil des consciences. Alors je sais que vous l'attendez aussi, mais il y a quelqu'un à la dernière réunion de l'UD, quelqu'un m'a dit quelque chose de juste. C'était quelqu'un d'un peu plus âgé que moi, j'ai 55 ans. Il m'a dit, on ne sait jamais d'où viendra l'étincelle qui mettra le feu aux poudres du réveil des consciences. J'espère que, à force de souffler sur les braises, un jour ça se passera et les gens se battront un peu plus. Voilà. Je suis là ce soir en tant que militant du POI et de la LFI. Je suis représentant syndical aussi et je voulais simplement vous informer que demain, l'intersyndicale qui s'est réunie aujourd'hui appelle un rassemblement au rond-point de Paris à midi. Et je crois que l'enjeu, il est là aussi, c'est qu'actuellement, ce qui fait peur au gouvernement et ce qui a amené la situation où, totalement isolé, il a été obligé d'user de tous les moyens, de tous les subterfuges, de toutes les petites combines pour essayer de faire passer sa loi, et il n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi parce qu'on est mobilisé depuis des mois, qu'on est des milliers, des millions dans la rue, et pour faire entendre notre refus, notre rejet de cette réforme des retraites que personne ne veut, que personne n'accepte, et qui s'inscrit en plus, qui s'inscrit dans un contexte de plus en plus compliqué pour tous. Ce refus, ce rejet, il s'est exprimé largement. Et aujourd'hui, en effet, on attend tous cette étincelle, ce 49-3, ce refus, ce déni de démocratie. C'est ce qui doit nous faire bouger maintenant et nous mettre tous dans la grève et dans le blocage du pays. Cette grève, il faut la continuer et il ne faut pas la lâcher jusqu'au retrait de la réforme. Merci à tous.